air. Go, nouvel épisode, la suite du comeback, du retour, du voilà, de l'épisode de beaucoup. Je sais même plus à la combien on est. La suite de la retour, la suite du retour de la Alors, présence. On va essayer d'aller dans la bulbe zone. Pour ce faire, donc le trick dit qu'il faut Don't be a shellfish. Non, c'est pas ça. C'est où le démarrage? Alors, welcome to the Bulbon Zone. Alors, ici, vous trouverez une pléthore de biomes remplis de miel, d'abeilles et de plus. Explore la Bulbon Zone et revenez avec des douceurs. All the sweet, ça va être ça. Mais attention, prendre du miel des abeilles peut avoir quelques risques. Alors, c'est où que j'avais vu que dans la Bull Bumby, pour y aller, fallait. Alors, normalement, je crois que c'est là. C'est dans Prélude. Alors. The end, blablabla. To get the Bumble Zone. Alors, pour aller à la Bumble Zone, lancer une Ender Pearl sur une Bee Nest or Bee Hive. Et vous pouvez quitter la Bumble Zone en creusant en bas ou en montant en plus de 256. D'accord. Et si vous voulez le skipper, vous pouvez aller directement sur Taking the Long Road. Ouais, mais accéder au Nether à la place. Non, non, on va quand même jeter un œil à la Bumble Zone. Voilà. Il considère qu'il faudrait être niveau 20 pour aller dans le Nether. Oui. On est niveau 15. Voilà. Donc on va aller péter des abeilles. Alors, bon, il y en a plein par là. On doit bien en avoir un là en dessous. Aïe, oi, oi, ma tête. Aïe, oi, oi. Il doit en avoir un qui est juste là. Je me souviens bien. Oui, au-dessus normalement. Non, juste là, non. Juste en dessous. Là. Là. Attends, c'est bien. Alors. C'est un beehive ou beenest? C'est diamond, c'est bien en plus. On va tomber que sur des abeilles en diamant. Allez, on va aller jeter un œil à ce que ça ressemble. Mais vas-y, je te laisse jeter l'underball. Oh, il a disparu. Disparu! Oh bon là! Alors. Oula! Sugar Water Floor! Je sais même pas ce que c'est, mais on est déjà. Honeycomb Block. Oh, il y a plein d'abeilles! Niveau 16 des abeilles quand même. Bon, ça va, on se tape du niveau 30. Eh, les blobs, les blobs, c'est bien. Il faut les buter! Oh, il y a des slimes! Oui, bah oui, c'est pour ça. GG. Je vais essayer d'aller choper son underpair, enfin ses slime blocks. Ouais, ça a l'air d'être il y a un mélange. Est-ce qu'il a looté quelque chose? Non, il n'y a que de l'XP. Il y a des poissons dans l'eau. Enfin, dans le. Poissons, ouais. L'abeille, en fait, elle est en train de toucher l'eau, elle est en train de mûrir. Ah. Bonjour, monsieur le Wikione Slime. Oh ah, j'ai looté. On va peut-être voir, à mon avis, il a l'air d'en avoir partout, donc on va essayer de grimper. J'ai eu quoi? Un Ring of Energy Regen plus 6 de niveau 15, je pense que tu le veux. Énergie? Non, pas du tout. Ah oui, bah alors je vais le prendre. Alors. Bah, je crois que moi, c'est énergie que j'ai besoin. Hein. Eh, ça fait clink, clink, clink. Filet de porousse au Nekom bloc. Ah oui, il y a plein de. Il y a d'avoir des blocs. Oui, non, mais là, t'es en train de grimper à l'extérieur, là, non? Tu vas vers la sortie? C'est juste pour essayer de remonter. Parce qu'on est en 44, là. Mais c'est pas des grottes, en fait, le truc. C'est comme le Nether. Alors, on a des. Si, je crois que c'est comme le Nether. Hein.
Oh, on patine sur le... Voilà, c'est tout de suite mieux quand on prend un petit peu de hauteur. Ça va. Aïe, ça s'est cassé. What? En sautant dessus, ça s'est cassé. LOL. Oula, il y a des petits lags sur le... Attends, je crois que c'est ceux-là. Si tu sautes trop dessus... Voilà, regarde. Ah, oh la vache. Faut faire gaffe, tu peux crever avec cette merde. Je veux dire ça, là. Ah oui. Mais faut remonter, c'est chiant. Faut pas sauter dessus, en fait. Ah. Mais non, tu peux pas, si tu sautes... Si, sur le cristalliser, si tu sautes, ça te, tu tombes. Non, mais après, ça va, ça te donne des blocs autres, donc... Ah non, ça te donne direct les cristallises. Ok. Et merde, merde, merde. Et voilà. C'est une catastrophe, cette zone. Mais c'est énorme. Là. Hop, c'est bon, je l'ai eu. Alors, faut pas sauter. Tu peux marcher, mais pas sauter. Oh, alors, le liquide, on n'a pas regardé ce que c'était. Alors, est-ce que c'est de l'eau? Ou est-ce que c'est un liquide un peu... C'est différent. Regarde, c'est là, j'ai de l'eau. Non, ça, c'est de l'eau. Ouais, de l'eau. Après, peut-être qu'elle devient de l'eau sucrée. Alors, je pense que... Non, non, attends. Non. Ça, c'est de l'eau. Non, ça, c'est water bucket. Ouais. Donc, je pense que ça, ce qui a coulé là... C'est de l'eau. Aussi. Ça, c'est de l'eau. Ouais, ouais. Par contre... Ah, quoique non, regarde, c'est pas la même couleur. Regarde. Oh, des blocs de miel. Ça me fait gaffe, hein. Oh, tu as non, des particules. Des... Ah oui, ça se casse facile en plus. Il y en a des petites particules. Oh. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Des abeilles. Wrath of the Hive. Oui, faut attendre. Ah bah oui, en même temps, on a touché du miel. Oui. Oh oh. Non, mais ça dure qu'une dizaine de secondes. Oui. Mais j'ai entendu une abeille qui arrivait. Donc ouais, mais ça va, elles sont niveau 16, on pète des mobs de niveau 30. Bien arrêter. Sûr. Tiens, d'ailleurs, en parlant de mobs de niveau 30. Qu'est-ce que c'est ce portail? Ah oui. Pouf, voilà. Ah non. Regarde. En fait, il s'adapte à la zone. Ouais. Il est niveau 15. Ouais. Faudrait que je. Cool. D'ailleurs, ah bah c'est ça que je voulais faire, fallait que je m'en fasse un bâton comme ça. Zut. Bon, après, la zone n'a pas l'air d'avoir... Tiens, ben, on va regarder l'eau en bas, ben, quand on est arrivé. Mon avis, c'est juste vraiment pour récupérer quelques trucs. Alors, il faudrait regarder... C'est toi qui te fais des dégâts. Oui, non, c'est qu'est-ce juste que j'ai... C'est quoi, ça? Du wax block. Wax block, ok. Oula, ça glisse. Quand tu t'arrêtes, ah, tu... Ah, non, là, c'est de la sugar water. Regarde, c'est autre et chose. Oui. Tu glisses un petit oui, peu. En mode... Ça. Oui. Alors, onet block, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Ouais, c'est ça. Ah, qu'il faut bah regarder. Déjà on peut. Oh, attends. On peut faire la bi-shelf, enchanting stat, Eterna moins 15, Kanta plus 100. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que si tu regardes dans les objectifs de la bi là, il faut qu'on récupère deux Honey Bottle et des Honey Crystal Shard. Donc l'Honey Bottle, ça va avec un Honey Block et 4 quatre glaces. Et on fait. Donc on n'aura pas de problème à la faire. Attends, je vais aller mettre les abeilles à dos. Mais non, mais du Honey, on a déjà ramassé. Oui, mais on n'a ramassé qu'un bloc. Bah, moi aussi. Oui, mais un bloc chacun, c'est pas BZF. Surtout que oui. A priori, il y a des... Il y a des bookshelves à faire particulières. D'accord. Oui, mais c'est pour ça que et, je il en faut deux. Et il en faut deux par bookshelf. Et est-ce qu'il y a une reine araignée? Araignée. Abeille. Une reine d'abeille. Oh, ce serait péter génial. La gueule. Parce qu'autant alors, à péter la petite... La petite oui. L'abeille, tu récupères... Ah, ça y est, ça arrive. Elle est... Pas contente. Pas content. Elle a pas pris de dégâts. Comment tu l'as eu? Oh non, elle est là-haut. Ils sont trop costauds pour moi. One shot. Tu l'as one shot.
Une quoi, une abeille? Osef, one shot. C'est. Depuis quand ça fait mal une abeille? Wow. Ça fait mal si elle a le temps de te piquer. Je pense qu'ils vont être mécontents. Bon, ça va, ça dure que 14 secondes. Bon, je pense qu'on en a récupéré suffisamment et hop, il reste un. Alors, attends, il y en a encore un là. Le cristallise. Putain, c'est du cristallise ici. Attends, on va faire autrement. Ah, ça buzz. Ah, pour monter, ça va être casse-couille leur truc. Si je peux bah monter non, là. Regarde, ou sinon tu utilises des wax blocks. Mais non, oui. Ça sert le wax block. On a besoin. Ah, ça sert. Ouais. Le wax block te permet de faire du wax. Et le. Alors attends. Les onécomb. Ah, les o. Alors les cristallized, c'est. Cristallized oné. This food is not nourishing enough to improve your health. Oh, c'est de la bouffe. Ouais. Et après, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Oui. Du sucre. Qui l'a cru? Des. La bisoupe. Oula, tout oh. Ce qu'il faut. Et les cristallises oné bloc. Ouais, mais non. Oh, il faut de la wax. Et de la wax, il faut des blocs de wax. L'oné bloc, ça permet de faire ça. Ou le shelf. Ah, regarde. En chantant stat, Eterna moins 15 et Kanta plus 100. Justement, je sais pas ce que c'est. Justement, c'est ce que je disais. Dans le kiln, tu peux foutre du oné bloc, ça fait du sticky oné résidu. Et ça permet de faire du sticky oné redstone. What? Very useful redstone mechanic block made for combining sticky oné résidu. Hein? All the same tray as the sticky oné résidu, but also restoration of un when a mob is trapped in the block. LOL! T'as un mob qui fait sa voix un signal de redstone de 1. LOL! C'est pas mal. Ça, on peut en faire quoi, ça? If you use potion of B, splash potion of B, of use buzzer bees, butter, this block, back turn into onécombe brood block. C'est sur les empty onécombe brood block, tu les fais devenir en fait autre chose. Bah les onécombe block. Allez, onéblong cop, t'en fais rien. D'accord, il y en a certains en fait, ça, ouais. Si on arrive à capturer des. Il n'y a pas grand chose à récupérer hein, dans cette zone. Après, il faudra voir tout ce qu'on a besoin de faire. Parce que là, il y aura besoin de faire ça après. Stop the bzz. Oh, mais d'ailleurs. Ah merde, faudrait faire d'abord le truc. C'est chiant, j'étais obligé de faire les. The optional bing, bing, bing. Parce que là, le problème. Oui, mais déjà, il faudrait qu'on prenne nos récompenses. Mais on peut pas. On peut pas, parce que pour faire la bzz machin, faut qu'on retourne en arrière. Mais non, mais ce que je veux dire, dans les trucs de prélude, machin et tout. De quoi, de prélude? Ah oui, la oné. Oui, non, mais ça, le prélude, ok, le bubble zone optionnel, oui, ça, y a pas de. Y a pas de souci. Mais c'est dès que t'es dans la bubble bun, il faut qu'on retourne, donc faut réutiliser une underpearl. Non, il faut soit monter. Oui, mais pour revenir. Quelques. Pour revenir. Ah bah oui, après pour revenir, oui, il faut encore réutiliser. Parce que il faut tuer des abeilles. Je sais pas où tu es parti. Ah si, t'es là-bas. Je vois un machin blanc. De toi. Mais t'es allé tout en haut? Non. Je loot un petit peu. Un petit peu de blocs. J'arrive pas à savoir si c'est toi ou si c'est une abeille. Oh, mais c'est. C'est une. Non, c'est... je te vois pas. Je cave. Tu es. Tu es où, en fait? T'étais dans la zone. Oui, bah, j'étais dans la zone là où on a récupéré du miel. Hop. Tiens, encore un petit peu de miel. Attends, ici. Hop, du miel. Tu lootes quoi, toi? Du miel. Oh, j'arrive pas à la one shot celle-là. Oh, elle a looté quoi? Aïe. Un charme, cool. J'ai eu du bol tout à l'heure hein, de la tuer du premier coup. Ah. C'est bon? Y'en a d'autres? Moi je bute les.
T'es descendu donc. Ok, oui, t'as laissé des blocs ici. Fouillons la zone. C'est dingue, tout à l'heure je l'ai one shot là, je fais que dalle. Ouais, mais c'est peut-être parce que t'as dû proc un coup critique ou un truc du genre. C'est ça, ouais. Bon, là c'est du liquide. Oh, c'est quoi ça? Iron Honeycomb Block. Sérieux? On peut trouver des. Ah, je t'ai entendu ramasser. Ou c'est moi qui ai dû ramasser? Mais t'es allé où? Je te trouve pas là. Qu'est-ce que c'est ça? Wax Block. Merde, je suis au-dessus de toi, derrière. Là. J'ai entendu le ch'touc, mais je t'en vois pas. Regarde. Ah, ça est vu, c'est bon. Ting. Qu'est-ce que tu fous là-haut? Bah, je viens de récupérer les Iron Honeycomb Block. Attends, je veux voir ça. Et ça donne, ça donne des Iron Honeycomb. Et j'ai l'impression que c'est tout. Ah non, dans une centrifugeuse, ça donne des Iron Nuggets. Ah bah voilà. Ben voilà. Et il ressemble à quoi? T'en as trouvé qu'un de... J'en ai trouvé 6, tiens. D'accord. Non, mais c'est que je voulais voir dans la gueule que ça avait à l'extérieur. Mais justement, ah, c'est tout gris. Regardes, d'accord. C'est tout gris. Ok. Comme du minerai standard. Mais il n'y a pas l'air d'en avoir des tonnes et des tonnes. Mais en tout cas, c'est suffisamment rigolo pour... Oui. Pour être notifié. C'est clair. Oui, mais là par là, c'est par là où je suis rentré. Oui. Encore plus de miel. Du miel. Oh, attends, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? What? Honeycomb Brute Block. Il y a l'impression qu'il y a quelque chose dedans. Hein? Où ça? Ça bouge. Où je suis? Là. Là, regarde. Oh! C'est une larve? Je crois. Hop, il y a plein de blocs en dessous. Aïe. Attends, je vais essayer de la récupérer. On va voir, on sait jamais. J'ai récupéré deux trucs, j'ai l'impression. Non, j'ai rien récupéré d'autre. Et bah voilà, tu les as en face de toi. Oui, je vois ça. Ouais. Iron. Ouais, bah écoute. Tout ce qui donne des ressources est bon à récupérer. Oula, il y en a un paquet là. Waouh! Alors ça s'appelle un bon coin farmé là. On appelle ça un filon. Ah oui, c'est clair. Ça y est, j'ai fini de tout récupérer. Tu récupères des combes et des nuggets. Ah bah voilà. Bon bah un cul-de-sac. Ah, un sac de cul? Non. On va trouver Frodon, pardon. On va trouver le maître Frodon. Bon. Nous sommes armés et peut-être dangereux. Oh, encore du miel, j'en ai marre. Non, mais c'est bon, on a déjà assez. Non, mais le truc, on peut déjà peut-être faire demi-tour. Rentrer, parce qu'on va être obligé de réutiliser des underperles. Il n'y aura pas le choix. Donc on va se faire un truc pour creuser. Alors soit on creuse tout en bas. Ouais, on va tout en bas. On est en 44. Enfin, on est en 60, mais creuser tout en bas. Tiens, du wax. Hop, ça on récupère. Ouais, c'était le petit bloc que j'avais posé. Je pense que on va par là, on descend. Mmh. Au plus ça bas descend, et descend, on creuse. Ça, bah, ça continue de descendre là. Oui, et là après t'arrives à un lac. Au niveau de l'eau. Ouais, bah faudrait creuser. Ça va plus vite avec une pelle? Ah bah c'est bien, tu peux utiliser tes pelles. Parce que en fait... En fait, à la main... Vas-y, à la torche, c'est plus rapide. Hein. À la torche? Ouais. Où sont mes torches? Ici. Oui, bah en gros, à la main, quoi. Oui, c'est ça. Du lapis. Ah bah on prend. Ah mais ça veut dire que t'as tous les minerais possibles, en fait, quasiment. Oh, et en plus, son joli filon. Au fetch. La centrifugeuse, on va la faire. Hein. Et c'est des ressources. Si ça coûte rien en énergie, très peu d'énergie, on prend. Hein. Bah, je pense que la centrifugeuse, elle va demander l'électricité de immersive.
Zone, en Emerald. Fait. Sérieux. Oh, il y en a plein en plus. Non, mais sérieusement. Objectif, faire une centrifugeuse. Ah, quoique. Il y en a pas tant que ça. J'en ai eu 4. J'ai chopé un charme, d'ailleurs. Niveau 17. Ah ouais. Il faut 5 d'intelligence, hein, pour toi. Tu vas être content, ça fait de la résistance au feu. Ah, cool. Tiens, je te l'envoie. Oui. Bon, mais c'est tout. Golden et combe. Puis c'est bien cette zone-là. T'as remarqué, t'as pas besoin de torche, hein, où tu ailles. Et en plus, la golden et combe, on en a besoin. Ah, par contre, il faut 2 blocs de diamants pour faire la centrifugeuse. Il va falloir aller farmer. Va falloir trouver du diamant. Déjà qu'on galère. Ou alors, faudra essayer d'en avoir par les bounty. Mais pour le moment, j'en ai pas vu. C'est les choses que je regardais en résultat, s'il y avait des... comment ça s'appelle, des... Quoique, autant on trouvera du diamant, là. On a combien? On est en 10. Attends, juste pour le fun. Hein. Je vais creuser un peu droit, le temps que t'arrives en bas. Alors, j'ai tout récup. Ok. Bon, bah, moi, j'ai rien trouvé sur le chemin. Voilà, j'ai creusé à un moment, mais... De toute façon, on fera revenir. Mais bon, ça coûte cher de venir, quoi. Ça coûte une underpearl, quoi. C'est surtout ça. Bon, maintenant, ça va, je sais où les farmer, donc... Oh, c'est ça. Et Hive Plank. Voilà. Et ça, c'est des Hive Plank. Ah oui, bah oui, bah oui, ah oui. Ah. Non, tu peux descendre encore. Non, c'est que tu peux descendre encore, on est qu'en 4, qu'en 3, là. Bon, bah... Attends, je vais sortir la hache. Ah, ça y est. J'ai le Void. Je vais voir si je récupère un petit peu. Oh, elle est rapide, ta hache. Bah, c'est une hache. Ouais, mais elle est enchantée. Non, ben, ça sert d'arme. Physical damage, elle est niveau 12, quoi, mais c'est une common. Hein. C'est une hache standard. Hein. Ouais, mais t'as vu la vitesse à laquelle elle hache? Regarde-moi. Mais c'est une enfer. Ah ouais, c'est vrai que... Ben, c'est bizarre. Ah, il y a des qualités, attends. Et celle-là, elle est la pire. Ah, mais celle-là est encore mieux. Tiens, je voudrais que je casse celle-là. Tiens, d'ailleurs, Hive Plank. Au pire, on fera de la déco avec. On fera des ruches pour attirer les abeilles. Parce que normalement, on devrait en voir dans le monde de la cave. Oh, il faut en récupérer. On en a besoin pour main coloniser tout. Ah oui, bah alors, oui. Non, mais c'est bon, j'ai bien fait. Attends. Ah non. C'est Eni. Ouais, oui, mais. C'est pas grave. Autant ça fera des trucs jolis. À faire, autant récupérer un tout petit peu de bois. Ouais, en fait, c'est comme des planches. Donc, ouais, autant les utiliser pour décorer. Oui, décorer ou pour le craft. Hein. C'est le bois. Ah, ben voilà, elle a pété, c'est bon. Je n'en récupère pas plus. Voilà. Et là, si je descends, je fais oui. On retourne dans le monde normal. Oui. Oui, alors, c'est sympa le jeu de nous amener ici. Mais c'est un peu loin. Oui, on est loin de la base. On est à 300 mètres de la base. Est-ce qu'on peut le récupérer celui-là, tiens? Attends, je vais sortir une hache de la Morquito. Ah, non, je l'ai cassé. Ah ben ça fait scratch. Voilà, mais on pourra pas le récupérer ici. Voilà. Mais ça nous a mis à 300 bornes, sérieux? Ou alors fallait peut-être bien vider autour de l'autre. Point, t'as vu, ça point, nous a mis au-dessus. Point. Sinon, on peut dormir avec backpack et tout, il fait jour. Tu veux vraiment acheter ma... Bah écoute, si tu viens de jouer avec nous, il n'y a aucun souci. Hein. Moi, je veux dire, le serveur, je peux accepter jusqu'à 6 personnes. Donc moi, s'il y a des personnes sérieuses... qui viennent régulièrement, il n'y a aucun souci. C'est-à-dire qu'ils veulent jouer ensemble, il n'y a aucun problème. Voilà. Le truc, c'est que le serveur est pas up 100% du temps, mais globalement, oui. Est-ce que si je fais ça... Non, ça ne le met pas dans le sac. Ok. Bon, de toute façon, on va foutre ça dans le... Je viens de le chercher. C'est toi qui voyes. Qui dirait. On va récupérer le petit nickel quand même.
Encore à la base, j'ai en récupéré. On a besoin de beaucoup de papier pour faire monter de niveau. C'est que vous jouez le soir de semaine. Ah oui, bah ça, oui, bah ça, Minecraft. Mais bon, pour les futurs, c'est... Pourquoi il n'y a plus, là, de... Il y avait quoi, là? Je ne me souviens plus. Là? Ouais. Le sable, il me semble. Ah oui, bah oui, pardon. Mais c'est pas grave, d'ailleurs, on va mettre autre chose à la place. Faudrait peut-être mettre le... Comment ça s'appelle le... Oh. Pourquoi la sugar cane s'est fait défoncer d'un coup? C'est moi qui l'ai défoncé. Ah d'accord. Oh. Ah oh. On a plein de bras ingot. Pardon. Oups, je suis sorti de l'écran. Aïe, reviens. Qu'est-ce que tu m'as envoyé? J'ai l'inventaire qui est fou là, donc si tu m'envoies des trucs, j'ai vite. Bah c'est de la canne à choucre, normalement bah, tu avais de la place pour la canne à choucre. T'as du bol, il me restait 4, oui. Les thunes. On va les mettre là pour le moment. Je les... Ah oui, donc il faut partir direct... On va faire un coffre spécial, le bi. Donc il faut partir direction Zorker, direction ouais. Maison. Oh là-bas. Tiens, si on fait un coffre en Hive Plank. Oh, on a un coffre tout jaune. Ah, en planche d'abeille. Ouais, ouais, je vais en faire un là. Je vais le mettre. je vais aller chercher du... je vais aller chercher du sable. Je mets tous les trucs là, tout ce qui correspond. Je crois que c'est tout. Ouais. Tu pourras pas le louper, le coffre. tellement il flash. Ben, je pense que tu pourras pas le louper. Voilà, c'est... Alors, la laine ici, les plantes. Ah oui, j'avais commencé à les mettre ici. Et on a du brass ingot. Je vais me faire un compacting drawer. Il me faudrait que je récupère, tiens, hop, on va prendre un stack. Non, c'est pas ça que j'ai besoin. J'ai besoin de ça. Quoi, je vais reprendre... Eosef, prendre un stack. Vas-y, travaille. Fais-nous du brass. Parce qu'on va en avoir besoin, je pense. Le Compact String Drawer, comment on fait déjà? Il est là. Non, ça, c'est le Drawer Controller qu'on a plus besoin. Compacting Drawer. Oh les piaf! Oui. De quoi? Oh j'ai les FX de Minecraft. J'ai un piaf qui me hurle dans les oreilles depuis tout à l'heure en mode piou 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 piou. Bonne nuit Nat, merci d'être passé. Bonne nuit. Zut. Ah bon, là, on commence à manquer de oak plank. Là, il va falloir aller taper du. Ah, t'as besoin de oak plank? J'ai ouais. Plein de oak. Je ramène des pousses. Ok, nickel. Parce que j'ai besoin surtout du oak plank pour. Parce que c'est le seul moyen de faire les drawers. D'accord. Donc, d'ailleurs, je devrais le. Hop, le balancer là. Je vais faire mes pistons en attendant. Tiens. Il faut des planks. Alors, n'importe quelle plank. Ouais, parce que le bois, on en a pas énormément en fait. Enfin, les Dark Oak, je vais les garder. Le Spruce, je vais le garder. Mais si on regarde bien, niveau bois, on n'a pas farmé tant que ça le bois. Oui, d'accord, c'est. Alors, on va faire comme ça, ce sera mieux. Voilà. Là, d'un côté, c'est beaucoup mieux. On pourra venir le chercher plus facilement. Vous fouillez pas dans nos trucs là, les deux là. Attention, hein. Non, je vais parler. Parce que nos deux amis là qui monopolisent le. Je sais pas pourquoi ils sont bloqués là. Parce qu'ils peuvent passer quoi. Je veux dire, ils sont dans la machine. Alors je sais pas pourquoi ils restent dans les machines, ils bougent pas. C'est vraiment bizarre. C'est... On va savoir, ils aiment peut-être. Alors, le brass ingot, qu'est-ce qu'on peut en faire? Bon, ça, ok. pousse, ça devrait suffire. Je veux pas des pousses, je veux des logs. Oui, mais j'en ai 34 là. Ok. Après, je peux encore en récupérer plus, hein. Il y a plein d'arbres. Hein. Oui, non, c'est déjà bien. C'est, ça permettra. Ça, en général, j'essaie de les garder vraiment
pour faire les... comment ça s'appelle les... Oula, qu'est-ce que c'est? Ah oui, le brass, on en aura besoin beaucoup pour le pour faire les mechanical crafters. Oui. Là, on va pouvoir commencer à les faire. Et on va pouvoir faire quelque chose de sympa. On va pouvoir faire les grosses machineries de Create. Yes. Donc, on va pouvoir attaquer ça. Ah, on va regarder quelle heure il est. Oh, on va peut-être pouvoir commencer à attaquer un petit peu. Monsieur le Traveler, qu'est-ce que tu donnes? Oh! Ah, il a si bougé. J'avais... Mort de rire, il a bougé de place. Tu sais où il était tout à l'heure? Si, vas-y. Il était sur le toit de la maison, d'une des maisons. Ah! Celle qui est pas loin du portail. Que, dis-toi que si j'avais 5 émeraudes, j'aurais pu lui acheter un bucket avec une rascasse dedans. Ouais, mais ça. Ouais. Il est où d'ailleurs? Ah, monsieur le vétéran, est-ce que ton charbon... Le charbon est toujours pas... À mon avis, c'est dès qu'il sera level up qu'il redonnera du charbon. Donc zut. Il faudrait que je fasse un truc automatique pour la sugar cane. On attend d'avoir un petit peu plus de ressources parce que le fer, on est un peu bas. Il faudrait que j'aille miner. Et en plus, avec la sugar cane juste à côté, tu pourras mettre les cactus? Oui, au pire, oui. Oui. Bah, juste une distance en plus, mais... Oui, je verrai. Bah, après, les cactus, t'as un autre moyen de les farmer. C'est, tu fais des... tu les poses, mais tu mets une structure en haut, au-dessus, à 4 blocs, et dès qu'il arrive au troisième, il pète, et ça tombe. Donc après, tu mets des trucs d'eau qui ramènent vers un coffre, un hopper vers un coffre, et puis c'est bon. Alors, j'ai récupéré mon bois parce que vu que tu n'étais pas pressé à me le ramener. Je suis parti pour chercher du sable donc. Ah oui, donc je pourrais attendre longtemps. Donc c'est pas grave, j'en ai trouvé, c'est pas un souci. Est-ce que c'est. Oui, je crois que c'est le village. Oui, les coffres sont vides, c'est le village qu'on avait vu la dernière fois. Comment reconnaître qu'un village a été visité par Hayek et Mortar? Vérifier les coffres. C'est ça. Il me manque quoi? Il me manque un bloc de... Hop. Pourquoi je suis sorti? Voilà, le compact ring drawer. Lol. Et on va foutre le brass dedans. Voilà. Farpé. J'ai un squelette qui m'a popé dessus, je l'ai défoncé, il m'a looté un anneau. Pas mal. Je redonne. Hop. On va reprendre un stack complet. Ça, je vais les transformer. Manger surtout. Ah. Ce n'est peut-être pas le désert, mais c'est du sable. Parce que pour pouvoir avancer dans Create, pour faire, je crois qu'il en faut 8 là des trucs. Non, il en faut plus. Parce que dans il y en Create, a pas un où il en fallait 12. Je sais plus ce que c'est. Est-ce que tu avais besoin de sandstone? Prends-la quand même, mais sinon non. Ah oui, c'était la dynamo, c'était... Non, celle-là, c'était quoi? Pardon, je suis en train d'agoniser. Coronavirus, pardon, non, c'est pas ça. C'était quoi qui gênait, qu'on pouvait pas faire? Non, ça on peut, il n'y a pas de problème. Le papier de verre. Ah oui, c'était les crushing wheels. Et il en faut 9, 9, 12, 15, 18, 21. Ah ben, pff, c'est marqué à côté. Il nous en faut 21 des casings. Et les casings, s'il en faut 21, il me faut 42 plates de brass sheet. Ah non, ça les donne par 3.
Donc il me faut 7 fois. Donc il me faut 14 brachides. Donc c'est bon, je les ai. Il me faut... Ah, il faut des brass casing. Donc il faut... ça les donne par 4. Ils font chier. Comme il en faut... il en faut 20... Non, il en faut 7. Donc il en faudra 2. Donc c'est bon. J'ai ce qu'il faut encore. Et c'est quoi? Et il faut des logs au milieu. On doit avoir des logs quelque part qui traînent. Sinon je vais péter un arbre qui traîne là. Voilà. Bonjour monsieur le zonzon qui m'attaque et qui brûle maintenant. Oui. Alors, hop. Bon, je ne sais pas si c'était une plage privative ou pas. En tout cas, maintenant, de privative, de plage, elle n'a plus que privatif. Alors, j'en étais où? C'était... Ah oui. Faut que je fasse les... D'ailleurs, faudrait peut-être que je les mette de côté, les trucs, là. C'est ça, c'est le mechanical crafting. Je vais le mettre là. Voilà. Il nous faut des brass casing, donc il me faut un log et des planques. Donc peu importe, j'ai l'impression les planques. Donc, un log. Enfin, il m'en faut deux logs, pardon. Deux logs. Planque, planque. Voilà. Donc j'ai mes 8. Après, il me faut... 7 co-wheel, donc il me faut l'anzélite alloy et des boutons. Ah, The Brass Edge, je l'ai eu. Yes. Comment ça se fait que... Mais c'est où le truc, The Brass Edge? Ça, c'était les succès Minecraft, ça. The Brass Edge, comme si on pouvait faire du brass dans Minecraft. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est les succès sur le L, c'est pas c'est les c'est pas ah, les, c'est pas les du, trucs. Ouais. Puis c'est bizarre, on a le. Biscuit du fan, just complete finding the writer, acte 3. D'accord. En fait, on ne débloque pas les trucs d'immersif parce que faut débloquer, il faut d'abord trouver l'end. On est en avance. C'est con, ça. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, on les récupérera après. Oui, de l'andésite. L'andésite à l'œil. Normalement, on avait quelques-uns de côté qu'ils sont là. Il m'en faut 7. Et il me faut plein de boutons. Voilà. J'ai plein de sandstone. Donc maintenant, je vais pouvoir faire 1, 2, 3, 4. Tchou! Merci. Donc. Ouais, j'en ai fait 8, c'est pas grave. De quoi? Bon, on en aura d'avance. De quoi? Non, j'ai juste fait plein de co-wheel. J'en ai fait 56, mais c'est pas grave. Est-ce que tu as un. Ça en donne, ça, je croyais que ça en donnait qu'un. Non, ça en donne 8. J'aurais dû en faire qu'un. Ok, c'est pas grave. Il faut que je fasse des électrons tubes. Donc, il me faut du polyché de rose quartz. Donc il me faut du rose quartz. Donc pour faire du rose quartz, il me faut un nether quartz et plein de machin. Et il m'en faut 14. Donc ça vient ici. Qui a volé le nether quartz que j'ai besoin? Je n'ai rien volé du tout. Il est rangé ici. Comme ça. Ok. Ah, mais celui-là, on oublie. Si je n'en voyais pas 14, on en a combien ça? On en a 13, 14. Ça suffira pas, mais. Et 8. On va reprendre un stack. Ça descend bon. Vite, hein.
Alors, regarde, regarde le drawer de sable. Attends deux secondes. Oui, t'en as récupéré 300 000 à peu près. C'est ça. Bah, regarde de combien il y en a. Moi, oh, ça va, 450. On a un peu de marge. Le papier à poncer, il est là. Alors, le truc chiant à faire. Alors, est-ce qu'on peut tous les poncer d'un coup? Telle est la question. Il me semble. Non, c'est un par un. Allez, mon papier va exploser. Voilà, faut que je refasse du papier à poncer. Comment on fait déjà ce papier à poncer? Heureusement que ça n'explose pas comme... Ah bah, il faut du sand avec du paper. Oh, on a du sable. Et on a du paper. Ah oui, mais surtout, il faut du raid, il faut du raid sable, non? Non, non, il faut n'importe quel sand. Heureusement, parce que sinon, ce serait bien chiant. Alors, reste pas en face de moi, parce que je voulais jeter des trucs, je peux pas. Je vais poser les hawks. Pourquoi j'en ai que 13? J'en ai paumé un. Ah non, il est là. Ah bah voilà, ça a pété de pile poil. Alors, après, il faut que je fasse les tubes. Il me faut 14 redstone torches et 13... Nugget. Bon ben, j'ai reboisé à la barbare. Hein. Ah, bah, mes sticks que j'avais foutu là-haut. Ah, ils ont été bouffés. Life Stasis, qu'est-ce que c'est? Aucune idée, ils sont là. Oh, bah, j'en ai 14 pile poil. Oh! J'aurais voulu le faire exprès que j'y serais arrivé. Ouf. Ok, donc il nous manque quoi? Des crafting tables, donc il m'en faut 7. Éventuellement. Non, c'est pas éventuellement, il m'en faut 7. Non, je t'ai jeté une petite chose. D'accord. J'ai pas reçu. Si tu l'as posé quelque part. Ah, normalement, il a tes pieds. Ouais, oui. Ouais, tu jettes mieux que ça, hein. Ah, il était sur tes pieds. Ah oui, il est sympa, le hive chest. Bah oui. Bon. Oula, 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 oula. Et on fait comment pour machiner tout ça, là? Ou je sens qu'il va y avoir un... Attends. Merde, ouais, il m'en manque un. Alors... Attends, il m'en manque un. Comment ça se fait? Non. Mais c'est juste que tu les as posés en mode gros schlag. Tu vois non, ça? Non, mais je devrais en avoir... Je dois en avoir 21 pour qu'il me manque un. Tu vois ça le... Ah, merde. J'ai l'impression qu'il y en a un que j'ai posé mais pas à la bonne manière. Oui, là. Il est ici. Je l'ai rentré en fait. Oui, non mais aussi c'est Melmi. Parce que tu vois la partie... Oui, non mais déjà je les place. Après, je sais pas si on doit les mettre... Il y a un sens spécifique ou pas. Oui, il y a un sens puisque... Déjà, il y a les roues pour les faire tourner. Et les machins noirs qu'il y a devant, là, c'est là où tu poses, regarde, l'item. Ok. C'est en mode item frame. Donc, faut les mettre dans un autre sens. Eh bien, ça va être chiant si on doit poser les trucs à la main. Ça, c'est bon. Là, ils sont bons. Là, ils sont bons. Je pense que c'est une table de craft géante où il faut que tous les trucs soient vers le haut, certainement. Le problème, c'est que je sais pas comment on les place vers le haut, ceux-là. Parce que je les ai placés comme ça, droit, et ça les met pas vers le haut. Ah ben, sinon, tu les mets... Tu fais un mur. Euh...
Ouais, mais c'est ça, sinon si tu les mets au mur. Je vais déjà tester, voir si ça marche. Non. Non. De quoi non? Bah non, ça les met pas vers le haut. Eh ben sinon c'est comme ça, regarde. Si tu les mets face et tu fais un mur de machin. Là sur ce mur là. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Tu mets tout face au mur et comme ça ils vont tous communiquer et on aura juste besoin d'en alimenter un et je sais pas s'il y a besoin, faut voir. Bah, ils ont tous une roue donc si. Tu regardes. Là ils sont tous connectés. Tac 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 tac. Oh, le crafter de malade que ça fait. Ouais, mais je sais pas après comment tu le rends. Enfin, si t'es obligé de te taper les items tous à 1 à 1 dedans. Oui. Oui. 1 1 1 chaque case. Et donc, faudrait arriver. Ah, ben c'est bien, tu vois, j'ai fait plein de petits trous. Elles vont servir. Alors, le seul problème, c'est que niveau stressomètre, je ne sais pas. Alors, on va voir, il y a qu'un truc qui est branché. Il faut juste que j'arrive à trouver, à mettre la roue comme il faut. Pour que ça soit alimenté. Là, c'est pas bon. Non, là, ça stresse. Ah, The Automated Assembly, ça marche si je vire ça? Non, ça suffit pas, il faut plus de puissance. Il faut peut-être des roues... Ah, je sais pas, je crois qu'avec les grandes roues plus les petits trous, ça fait plus de puissance, non? Il n'y a pas un truc comme ça? C'est que plus tu perds de vitesse, plus t'as de puissance. Et là, je pense qu'on a besoin de puissance et pas de vitesse. Donc il faudrait des grandes. Et là, j'ai que des petites. Mais des grandes, on les fait avec les petites, si je me souviens bien. Ah non. Non, on les fait avec... D'accord. Donc, je vais essayer de voir. Mais je suis pas sûr qu'on y arrive, là. On n'aura sûrement pas assez de puissance. On aura peut-être plus de roues. Ah bah c'est bien, on a une grande là déjà. Attends, déjà... Faudrait un moulin. Oui, mais sauf que le moulin on peut pas le faire parce qu'on a pas ce qu'il faut pour le moment. Il nous faut une turn. Si je mets là, c'est trop près, c'est dedans. C'est pas bon. Si je le mets en diagonale, c'est pas bon. Donc à mon avis, il faudra une petite avant. Oh, je peux la mettre là. Il faudra une grosse... Ici. Ah, ça stresse toujours. Je pense qu'il me faudra une note grande. Ou alors il faut plein de roues pour que ça tourne. Pour que chaque côté soit alimenté. Je ne pense pas. Je pense que là ils sont tous connectés. Et c'est juste que comme il y en a beaucoup, il faut une grosse puissance pour les faire tourner. Ouais. Mais peut-être qu'il me faut juste une grande roue encore pour avoir plus de puissance. On va essayer d'en faire une. Je regarde. Eh ben non, on verra ça la semaine prochaine. Parce que fin de l'épisode. Voilà, merci à ceux qui sont passés. Comme d'habitude, abonnement, cloche, pouce bleu, commentaire, partage pour YouTube. Le petit pouce bleu, hein. Et les commentaires, ce serait sympa de temps en temps. puis sinon, on va continuer de toute façon cette petite aventure tranquillou. Et si on fera un petit quelque chose, on verra. Ça fera peut-être amener les trucs, je sais pas, peut-être comme là. Peut-être un moyen d'amener ça en automatique, on verra.
Ok, voilà, merci à tous et passez une bonne soirée. À la prochaine, bye bye. Bye bye.